Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Bonjour. Alors, on va juste attendre quelques minutes que les retardataires nous rejoignent et puis on va pouvoir commencer. En attendant qu'on commence, n'hésitez pas si vous souhaitez interagir avec nous à communiquer avec nous juste à droite de votre écran. Et à regarder les sondages qui seront diffusés aussi tout au long du webinaire dans la petite pastille à droite de l'écran aussi, qui indique un sondage. Alors je vois que ça arrive, on ne va pas tarder. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On va commencer dans quelques instants. Alors, je pense que le temps de laisser aux gens qui souhaiteraient nous rejoindre le temps d'arriver, on peut se présenter peut-être, Marc et Alexandre. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous allez assister dans l'heure qui suit à un webinaire retour d'expérience client avec Alexandre de chez Lemon Learning, Marc de chez Bouygues Télécom et moi-même qui animerai le webinaire. Donc, je vais leur laisser la parole pour se présenter. Je commence du coup? Je t'en prie. Ok, ben moi du coup, Marc Rodet, je suis le client. Du coup, je travaille au service innovation IT de Bouygues Télécom et c'est moi qui me suis occupé de mettre en place Lemon Learning sur nos outils. Je te remercie. Alors, Alexandre, on ne t'entend plus. Et c'est bon. Alors, on m'entend bien? Absolument, yes. D'accord. De mon côté, du coup, je suis Alexandre Struven. Je suis commercial à Lemon Learning depuis 2 ans et demi. Et du coup, j'ai pu échanger avec Bouygues Télécom avant le lancement des projets concernant leurs enjeux en termes d'adoption et de conduite du changement, comme avec pas mal d'autres clients aujourd'hui. Et je suis Santa, je suis directrice marketing chez Lemon Learning, j'animerai le webinaire. Je suis en relation avec nos clients, avec nos prospects, sur pas mal de sujets. Voilà ce que je peux dire de moi qui sera utile aujourd'hui. On va pouvoir y aller. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez tout au long du webinaire. On pourra y répondre soit tout au long des interactions, soit lors du temps de questions-réponses qui aura lieu aussi sur la fin du webinaire. Et comme je vois déjà une question, pardon, à laquelle je peux d'ores et déjà répondre, oui, le webinaire sera absolument accessible en replay. Le lien vous sera envoyé par la suite. Sans plus tarder, petite mise en contexte peut-être avant que je te passe la parole, Marc, sur les enjeux de Bouygues Télécom et peut-être sur une rapide présentation de l'entreprise, que je pense tout le monde connaît. Mais pour recontextualiser un petit peu, donc Bouygues Télécom, acteur majeur des télécommunications en France, vous êtes près de 10 000 collaborateurs à travers la France aujourd'hui. Et ce que tu me disais juste avant notre webinaire, c'est que la digitalisation chez Bouygues Télécom, elle est déjà bien engagée. Elle est d'ailleurs bien ancrée dans vos processus en interne. Mais c'est un travail sur le long terme qui a amené pas mal de défis. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces nouveaux défis chez Bouygues Télécom? Alors oui, effectivement, la digitalisation, c'est quelque chose qui est fait depuis bien longtemps côté SI. Il y a beaucoup de nos outils qui sont complètement digitalisés. On a déjà un certain nombre de processus, notamment de traitement de documents ou autres, qui sont digitalisés. Mais le problème, c'est que cette digitalisation, elle apporte un certain nombre de nouveaux défis. Donc,
une multiplication tout simplement des applications. On a de plus en plus d'applications. Les utilisateurs sont amenés à devoir maîtriser de plus en plus d'outils. Également, du coup, avec les nouvelles pratiques de continuous delivery ou autre, on a des changements sur ces applications qui sont de plus en plus fréquents. À chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité est développée, on la pousse en production le plus rapidement possible. Et également, du coup, tous nos collaborateurs, donc on a différentes tranches d'âge et tous nos collaborateurs ne sont pas forcément à l'aise avec les différents outils qu'on propose. D'accord. Et comment est-ce que ça s'est traduit concrètement au quotidien? Tu parlais notamment de la multiplication des applications, mais pour les utilisateurs finaux, qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être aussi pour les équipes Bouygues Télécom, qu'est-ce que ça soulève ces défis? Eh bien, il y a typiquement un processus qui était initialement fait par écrit, typiquement la gestion des prestations intellectuelles et tout. On va devoir complètement le digitaliser pour forcément rendre le processus un petit peu plus efficace. Seulement, des personnes qui sont à l'aise avec ce type de fonctionnement par papier, quand on va leur proposer une interface digitale pour le réaliser, eh bien, il faut aussi les accompagner et les aider à prendre en main cet outil. Ouais, donc on est surtout sur des enjeux de prise en main et d'adoption C'est ça, dans le cas de complètement. Bouygues en tout cas. Complètement. Ça marche. Et je sais, parce que tu m'en avais parlé aussi, que l'expérience client et l'expérience collaborateur, c'est quelque chose qui est assez important chez Bouygues Télécom. Quels étaient vos enjeux au moment où vous avez fait appel à Lemon Learning? Alors, je vais juste rebondir d'abord sur ce que tu disais. Effectivement, l'élément différenciant que Bouygues Télécom essaye de mettre en place, c'est accentuer et vraiment essayer de proposer la meilleure expérience client. Au-delà de la performance et tout, vraiment, notre élément différenciant, ça va être l'expérience client. Les directions RH expliquent justement que cette expérience client, elle passe tout d'abord par l'expérience collaborateur. Effectivement, un collaborateur qui veut aider un client, il faut déjà qu'il se sente bien dans son propre travail. Donc, face au challenge que j'ai cité précédemment, on a découvert Lemon Learning par Alexandre qui nous avait fait une petite démonstration et on a retrouvé en fait un certain nombre de fonctionnements avec les guides digitaux ou autres qui sont déjà natifs dans un certain nombre d'applications qu'on peut utiliser nous au quotidien, des applications Google ou autres. Et du coup, on s'est dit que cet outil, ça serait un parfait outil pour aider nos collaborateurs au travers de ces guides-là. Mais justement, à vous les participants, n'hésitez pas, il y a un sondage qui vient d'être lancé sur l'expérience numérique. Selon vous, pourquoi l'expérience numérique des collaborateurs est importante? Donc là, Marc vient de nous partager les enjeux de Bouygues Télécom. N'hésitez pas à nous partager votre point de vue aussi. Et Alexandre, ça, ce sont des enjeux qu'on retrouve assez souvent chez nos clients, chez la plupart des entreprises qu'on accompagne aujourd'hui. Quel impact est-ce que tu dirais que l'expérience collaborateur elle a sur les outils, sur leur adoption ou sur leur non-adoption d'ailleurs? Alors, on t'entend de nouveau pas. Et là, c'est bon. Oui, ok. Oui. Concrètement, l'expérience collaborateur par rapport aux outils, les deux sont tout à fait liés parce que des collaborateurs qui vont pas avoir une bonne expérience sur l'outil, ça va directement engendrer des freins supplémentaires à la conduite du changement et ça va devenir un cercle vicieux au niveau des usages par la suite. Donc l'un entraîne l'autre et l'autre le suit. Ah, effectivement, et même au-delà de ça, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Nous, on l'a vu sur certains outils où, du coup, on avait des problématiques de qualité de données. Les collaborateurs, en fait, renseignaient les champs pas de la bonne manière et ça posait souvent des problèmes dans d'autres outils. Et du coup, en accompagnant la saisie et le remplissage des différents formulaires, par exemple, eh bien, on a pu solutionner ce problème et du coup, avoir moins de travail derrière pour traiter ces défauts de qualité.
Après, c'est intéressant ce que tu dis parce que donc là, tu donnes ton point de vue en tant que Bouygues Télécom, donc en tant qu'entreprise qui essaye bien d'amorcer la transformation digitale et d'engager les utilisateurs dedans. Là, on a un chiffre clé qui s'affiche, qui donne aussi le point de vue des collaborateurs en question, puisque 82% d'entre eux aimeraient que leur entreprise en fasse davantage pour améliorer la qualité de l'expérience numérique au travail. Donc c'est quand même assez intéressant que il y ait la demande aussi de la part des collaborateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui a été particulièrement manifeste et évident chez Bouygues Télécom, où l'impulsion venait surtout des métiers du top management? Alors, manifeste et évident, peut-être pas. Je sais qu'on peut entendre souvent, à chaque fois qu'on déploie un nouvel outil, effectivement, on entend beaucoup de détracteurs, on va dire, alors que c'est des outils qui sont souvent beaucoup plus ergonomiques et beaucoup plus performants que ceux qui les précédaient. Mais forcément, qui dit changement dit modification de la façon de travailler de certaines personnes, et beaucoup sont réfractaires à ce changement-là. Donc oui, c'est quand même quelque chose qu'on peut constater, oui. Et si on parle un petit peu plus précisément, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est peut-être ce qui intéresse aussi les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Si on parle du projet de Bouygues Télécom, qui est celui notamment d'un réseau social interne, en quoi Lemon Learning a été stratégique pour vous, pour Bouygues Télécom? Alors, déployer un nouveau réseau social interne, ça pose énormément de questions parce que le réseau social interne, forcément, c'est quelque chose qui va toucher l'ensemble des collaborateurs. Tous les collaborateurs, comme je le disais précédemment, ne sont pas à l'aise de la même manière avec les nouveautés qui sont proposées. Et également, le réseau social interne, c'est quand même une brique centrale un petit peu du quotidien des collaborateurs. C'est là où ils vont retrouver un certain nombre de leur service au quotidien, la déclaration de leur congé, voir le menu de la cantine, ainsi de suite. Donc voilà, c'est une interface qui est quand même très utilisée et qui leur apporte des services au quotidien. Donc changer ce réseau social interne, forcément, c'est un des gros points durs, on va dire, sur la conduite du changement. Et du coup, il a fallu forcément l'accompagner d'une manière ou d'une autre. Et pour ce faire, les équipes ont choisi, du coup, Lemon Learning. Là, Alexandre, c'est intéressant. Marc nous parle d'un réseau social interne, mais aujourd'hui, Lemon Learning accompagne des entreprises sur tout type de logiciel. Oui, effectivement. C'est vrai que là, dans le cadre des enjeux de Bouygues Télécom, il y avait d'autant plus enjeu à Lemon Learning sur le fait que c'était transverse par rapport à beaucoup d'utilisateurs. Mais aujourd'hui, il y a également beaucoup d'autres enjeux qui vont être sur des logiciels davantage métiers pour les organisations, qui ne vont pas forcément être des enjeux d'expérience collaborateur, mais des enjeux plutôt liés à du turnover, liés à des évolutions simplement de ces différents SI métiers qui peuvent peut-être changer un peu plus rapidement certains que d'autres, ou tout simplement des usages un peu plus occasionnels qui peuvent avoir lieu post-formation. Donc forcément, si on met bout à bout tous les outils métiers d'un groupe, plus ces outils transverses comme le SIEHA, le SIRH, en plus d'un intranet, il y a clairement un enjeu en fait à mutualiser aujourd'hui toute cette adoption et cette conduite du changement au sein d'un seul et même outil. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a pu voir parce que, à part le réseau social interne qu'on a accompagné avec Lemon Learning, on avait commencé avec des plus petits projets pour faire les preuves de concept. Et chacun de ces projets avait des priorités différentes. On en a un premier, typiquement, là où c'est l'exemple que je citais précédemment avec les formulaires et les défauts de QOD, là où leur intérêt, c'était vraiment de pousser les collaborateurs à renseigner correctement le formulaire en question. On en a un autre où il s'agissait d'une équipe où il y avait beaucoup de turnover et qui demandait donc d'avoir régulièrement de la formation, et on avait une personne qui était plus ou moins dédiée à accompagner ces nouveaux collaborateurs. Et du coup, plutôt que de devoir refaire la formation à chaque fois, elle s'est occupée de la digitaliser via Lemon Learning. Mais justement, en parlant de l'accompagnement de Lemon Learning, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont ça s'est passé? Comment est-ce que Lemon Learning a accompagné Bouygues sur ce projet de réseau social d'entreprise?
Tout à fait. Bah, du coup, ça a commencé par une petite découverte de l'application avec Alexandre, qui nous a permis de regarder un petit peu comment ça fonctionnait et de prendre en main un petit peu l'application, voir comment ça pourrait s'implémenter chez nous. Et ensuite, dès lors qu'on est passé à une phase un peu plus projet avec la première preuve de concept, on a eu un chef de projet qui nous a été attribué et qui s'occupait de répondre à nos questions au fil de l'eau. En plus de ça, on a eu droit à deux sessions de formation, il me semble deux demi-journées, si je me souviens bien, où on a pu mettre l'ensemble des équipes qui allaient être amenées à créer ces guides-là. Pour ma part, moi, j'ai trouvé que, je crois que c'est une question qui viendra après, mais j'ai trouvé que l'outil se prenait assez facilement en main, mais on parlait aussi de fractures numériques précédemment, ben ça joue aussi pour ceux qui vont être amenés à réaliser les guides. Donc forcément, il aura fallu une première prise en main. Ce qu'on a trouvé intéressant, enfin moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que Lemon Learning est implémenté sur Lemon Learning. Donc, quand on se balade sur l'interface d'administration, eh bien, on retrouve les bulles d'aide interactive. Mais pour moi, en fait, le gros challenge qui se pose, enfin la plus grosse difficulté, c'est plus les bonnes pratiques, on va dire. Parce que créer le guide, c'est assez facile, l'outil se prend très facilement en main, comme je le disais. Mais les notions un petit peu pédagogiques à avoir, de savoir quels sont les meilleurs wordings à utiliser, savoir comment mettre une information en valeur par rapport à une autre, enfin bref, un peu le look and feel, on va dire, de nos différents guides, c'est vraiment là où on a eu besoin d'accompagnement. Ça aussi que nos équipes en fait vous ont accompagné. Quand tu parlais de formation tout à l'heure, ça fait aussi partie de l'accompagnement qu'on propose, cette prise des enjeux et cette prise en main aussi de notre solution. Mais peut-être que ça fait une bonne transition aussi pour la démo, parce que c'est vrai que là on parle de Lemon Learning, du réseau social d'entreprise, etc. Mais pour ceux qui nous regardent pour la première fois, rien ne vaut l'image. Donc, Alexandre, je te propose de prendre la main sur la démo si tu le souhaites. Je le souhaite. Alors, du coup, est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, on le voit. Parfait. Donc, là, je vais vous faire une démonstration de l'outil Lemon Learning dans sa partie utilisateur final à travers le logiciel Salesforce. Il faut juste prendre en compte que derrière, bien que ça soit fait sur Salesforce, Lemon Learning, dans sa vocation, est totalement interopérable sur plusieurs types de plateformes. Donc, tout ce que vous verrez à travers Salesforce sont exactement les mêmes fonctionnalités qu'il pourrait y avoir sur d'autres types d'outils, comme ceux qu'on a précédemment cités. Concrètement, sur Salesforce, Lemon Learning, ça va se représenter via cette bulle jaune qu'on appelle le player. Cette bulle, elle n'est pas intrusive pour les utilisateurs puisqu'ils peuvent jouer avec et la déplacer à droite et à gauche de leur outil, de façon à pas intervenir par-dessus certains champs qu'il peut y avoir. Quand ils l'ouvrent, ils vont pouvoir directement utiliser la première fonctionnalité de Lemon Learning, ce qu'on appelle le guide interactif. Très concrètement, le guide interactif, ça va permettre un usage directement de l'application tout en apprenant à l'utiliser. Ce qu'a besoin de faire l'utilisateur, c'est de marquer dans un barre de recherche le nom de l'action qu'il a envie de réaliser ou tout simplement descendre le menu déroulant. Une fois qu'il a pu réaliser cette action-là, il clique sur le contenu qui l'intéresse et il lance sa séquence. Et c'est à ce moment-là que la séquence va du coup lui montrer d'étape en étape où il doit aller et sur quel champ il doit cliquer pour réaliser la création de son opportunité dans Salesforce. Donc là, vous avez un ensemble de champs qui est enfin un ensemble de bulles qui est entièrement personnalisable, qui va venir se greffer sur les différents champs de l'outil pour montrer à l'utilisateur les bonnes notions métiers qu'il doit comprendre par rapport à son outil. C'est là où Marc du coup disait qu'il y avait effectivement aussi un devoir et une bonne prise en connaissance des notions métiers des utilisateurs derrière, de façon à avoir un contenu qui soit pertinent et du coup forcément qui va intéresser les utilisateurs par la suite.
Ça, d'ailleurs, je me permets de rebondir rapidement. C'est un Avec point que plaisir. tu évoques qui est assez intéressant parce que c'est une, je ne sais pas si c'est une spécificité, mais c'est quelque chose que nous, on a souhaité mettre en place côté Bouygues Telecom. C'est que l'implémentation de ces guides-là, on a souhaité que ce soit directement les personnes qui sont en charge de ces processus qui les réalisent. Donc, ça permet justement de ne pas avoir toute une phase où la personne qui va prendre en main l'outil va devoir se plonger et apprendre un nouveau processus. C'est directement la personne qui les réalise qui implémente ces guides. Et ça facilite énormément l'implémentation. Très intéressant, merci du retour. Effectivement, on me pose souvent la question, moi côté client, qui est la bonne personne pour prendre en charge la conception? Et c'est vrai que chaque organisation aujourd'hui a potentiellement sa manière et on n'en a pas encore trouvé une qui est effectivement parfaite. Donc si tu dis que ça facilite, c'est assez Ben, c'est vrai que intéressant. souvent les DSI ont tendance, enfin je le vois sur d'autres outils qui sont peut-être un petit peu plus complexes aussi, mais ont souvent tendance à vouloir le mettre directement dans les équipes IT de ceux qui réalisent l'outil, c'est ceux qui vont réaliser les guides. Mais c'est pas forcément, pour moi du moins, c'est pas forcément les plus à même de réaliser les guides, c'est plus ceux qui vont utiliser l'outil et non pas ceux qui vont le concevoir qui sont, qui doivent être à la barre là-dessus. Ça n'empêche pas, bien sûr, que l'équipe IT doit être impliquée, ne serait-ce que pour pouvoir identifier les changements, enfin pouvoir répondre aux changements qu'ils pourraient apporter sur l'outil, que les équipes métiers puissent, eux, y répondre en mettant, en adaptant leur guide. Effectivement. Et derrière, je sais que voilà, du coup, ça va être intéressant pour tout type de notion. Donc effectivement, on avait une première fonctionnalité qui est les guides. Et il y a une deuxième fonctionnalité aussi sur laquelle on va d'autant plus pouvoir descendre une information métier auprès des collaborateurs, puisqu'il s'agit d'une fonctionnalité tout simplement de communication, qu'on appelle les push. Qu'est-ce qu'un push? C'est un message qui va arriver en plein milieu de l'écran de l'utilisateur au moment où il se connecte. Donc, historiquement, cette fonctionnalité, on l'avait imaginée pour communiquer par rapport à une nouvelle fonctionnalité présente sur l'outil, de façon à facilement éviter la formation, puisque les utilisateurs sont déjà informés au moment où ils se connectent. Et de plus, ils ont la fonctionnalité de guide qui va leur permettre de suivre derrière le parcours. Mais maintenant, je sais qu'on s'en sert un peu pour tout type de communication, comme des communications par exemple très métiers qui peuvent être liées à des graphiques de résultats ou tout simplement des questionnaires utilisateurs pour là, à l'inverse, avoir directement un retour par des collaborateurs directement par rapport aux bonnes notions métiers qui les intéressent. Donc on va leur poser des questions de ce type, les guides vous ont-ils apparu adaptés à vos problématiques quotidiennes? Quel nouveau guide imagineriez-vous? De façon à directement avoir la remontée d'informations et adapter le contenu métier. Ça va être un biais par lequel, dans nos projets, on va arriver à comprendre ce qui intéresse des utilisateurs finaux au moment où ils ont une question. Et voilà. Mais côté Bouygues Telecom, d'ailleurs, il y a une des équipes qui a implémenté Lemon Learning qui utilise majoritairement, pour moi, ce n'est pas forcément celle qui a la plus grosse valeur ajoutée par rapport au guide, on va dire, mais cette équipe-là utilise quasiment exclusivement cette fonctionnalité d'actualité pour remplacer en fait des newsletters qu'ils faisaient déjà enfin pas au quotidien, mais régulièrement. En fait, ils constataient que ces newsletters, elles n'étaient pas du tout consultées parce que quand c'est perdu dans un flot de mails et c'est pas forcément le moment auquel on attend l'information qu'on la reçoit, tandis que quand c'est en se connectant sur l'outil, c'est le moment où ils s'attendaient à avoir l'information justement des nouveautés qui avaient lieu sur les processus en question. Mais non, tu mentionnes cette équipe de chez Bouygues Telecom, Marc, mais on a aussi certains de nos clients qui n'utilisent Lemon Learning que pour ça. Je pense à Renault notamment, parce que les questionnaires en fait sont destinés à des utilisateurs externes. Donc c'est aussi le moyen pour eux de récolter de l'information par rapport à l'utilisation de leur portail web. Donc en fait, ils utilisent Lemon Learning, le push se lance. Et dans ce push sont incluses des questions qui sont directement reliées ensuite à reliées et renvoyées sur leur CRM. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire la communication, elle est à l'endroit où ils sont. Ils n'ont pas besoin de changer d'onglet, d'aller consulter leur mail, de répondre et puis de perdre leur mail.
Là, c'est vrai que c'est pas mal. Nous, on l'avait fait justement pour mesurer les gains pendant notre première preuve de concept. En fait, on avait envoyé un premier questionnaire par email, comme on le fait habituellement, et on avait vu qu'il y avait quand même pas tant de personnes, un taux d'engagement qui devait être, il devait y avoir quoi, je sais pas, 40% des personnes qui avaient répondu. Et ensuite, du coup, on a publié cette actualité via Lemon Learning et ça nous a permis justement de gratter un petit peu plus de personnes et pour avoir un petit peu plus de réponses et avoir des résultats un peu plus fiables, on va dire. Ce qu'on n'a pas précisé là, intéressant, c'est que ces communications, ces push, on peut tout à fait les cibler selon la population d'utilisateurs, selon les départements, par pays. On peut Alors, régler la. Ouais, pardon. effectivement, ça va fonctionner sur les push et même sur tout autre type de fonctionnalité de Lemon Learning. On aura toujours cette possibilité-là en fonction d'un mode d'authentification qu'on va définir, de segmenter par profil d'utilisateur. Et après, du coup, ça va permettre, en fonction des profils qu'on a réussi à cibler, d'avoir des informations plus ou moins détaillées dans les statistiques d'usage. Et un autre cas d'usage des push, alors que là, qui est même pas forcément encore utilisé côté clients finaux, mais qui est très utilisé par exemple par nos chefs de projet, c'est le côté mesure de connexion à l'outil cible. Tout simplement pour mesurer derrière, quand ils envoient un questionnaire ou quand ils mettent des guides à disposition, déjà combien d'utilisateurs se sont connectés à l'outil avant de mesurer le niveau de l'adoption. Et c'est une information que malheureusement, il n'y a pas sur beaucoup d'outils aujourd'hui sur le marché. Et sur le partage d'écran, Alexandre, tu parlais du player, etc. Mais c'est vrai que c'est assez facile finalement de créer un contenu avec Lemon Learning. Ça ne demande pas de compétences techniques particulières. Est-ce que tu peux nous montrer assez rapidement comment ça se matérialise, comment ça se fait? Tout à fait. Alors, je vais le faire, j'ai juste un petit souci de mot de passe à retrouver. T'as oublié ton mot de passe. Ouais. Ça m'arrive souvent avec mon gestionnaire de mot de passe. Il enregistre l'ancien. Donc, je fais la petite manip et je le retrouve dans une minute. Peut-être, j'ai vu une question passer entre-temps, Marc. Peut-être que tu peux y répondre. Donc, c'est une question de Frédéric. Quel RSE avez-vous mis en place? Quel réseau social d'entreprise avez-vous mis en place? Alors nous, le réseau social, c'est un développement qui avait été fait en interne et qui s'appelle Wubi. J'ai vu, c'était avant mon arrivée dans l'entreprise, j'ai vu qu'il avait été très plébiscité, il avait été reconnu et gagné un grand prix des réseaux sociaux. Bon, je dois avouer que moi, quand je suis arrivé, je l'ai trouvé quand même assez vieillissant, ce fameux Wubi. Ça répondait complètement à tous les besoins, mais on sentait que c'était une interface qui datait un petit peu. Et donc là, dernièrement, ils ont tout remis au goût du jour et ils ont rajouté la possibilité de s'interconnecter avec les outils Office 365 qu'on utilise aussi au quotidien. D'accord. Et vous avez, Alors, avec l'évolution de ces fonctionnalités, vous aviez créé de nouveaux guides ou il n'y a pas eu besoin? C'est ce que là, c'est la prochaine étape. Dans un premier temps, nous, on a utilisé Lemon Learning plus pour faire une espèce de visite guidée de l'application, pour justement montrer un petit peu les différents changements qui ont été apportés à l'interface et indiquer aux utilisateurs où est-ce qu'ils pouvaient retrouver les services qu'ils utilisaient précédemment. À terme, moi, ce que je souhaiterais faire, c'est utiliser Lemon Learning comme guide de onboarding. En fait, n'importe quel utilisateur qui arriverait dans l'entreprise passerait par une étape de formation Lemon Learning pour avoir toutes les informations classiques. Comment est-ce que je pose des congés? Comment est-ce que je retrouve le menu de la cantine? J'ai un souci sur mon ordinateur, comment est-ce que je peux déclarer un problème, enfin un incident, et ainsi de suite. Mais ça, c'est pas encore en place. Pour le moment, on s'est vraiment focalisé sur le passage entre l'existant et les modifications qui ont été apportées. Mais c'est un cas d'usage possible. C'est assez intéressant cette notion de, en fait, d'onboarding asynchrone. Finalement, l'outil est là. À partir du moment où le nouvel utilisateur se il a l'accompagnement dont il a besoin au moment où il en a besoin, quoi.
C'est ça, et en plus, c'est assez. Je trouve ça beaucoup plus moderne pour un jeune talent, typiquement, qui va rejoindre l'entreprise, devoir aller poser la question à droite, à gauche. Certains ont des profils plus introvertis, donc ils vont pas forcément oser poser telle ou telle question. Là, toutes les informations sont à disposition, et c'est quand même une mécanique via ces guides interactifs qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres applications. Enfin, des applications qu'on utilise au quotidien. Je pense même à Clash of Clans ou des trucs comme ça que tout le monde a déjà parcouru. Voilà, c'est souvent comme ça qu'on prend en main ces applications-là. Donc là, voilà, on retrouve une mécanique un petit peu similaire pour les onboarder dans notre entreprise. Pour ce partage, et je vois qu'Alexandre a retrouvé ses identifiants entre-temps. Tout à fait. Alors, du coup, l'idée, ça va être de vous montrer la partie édition de Lemon Learning à travers la partie du back-office qu'on a aujourd'hui. Concrètement, la partie édition de Lemon Learning, c'est un éditeur qui va s'ouvrir directement en extension du navigateur. Donc, en faisant un clic dessus, il s'ouvre et il se ferme et il va permettre de gérer toute la conception des fonctionnalités Lemon Learning, à l'exception de la fonctionnalité de communication qui peut se créer de manière un peu plus industrialisée, justement dans le back-office qui est derrière cet éditeur. Donc cet éditeur, il arrive en surcouche de l'outil et il va permettre, quand on clique sur Nouveau guide, de créer différentes étapes d'un parcours. Donc là, je vais mettre Lemon Learning back-office pour dire que je crée un guide sur mon back-office. Et je fais créer le guide. À partir de ce moment-là, du coup, Lemon Learning est chargé et je peux créer chaque étape de mon guide interactif en cliquant sur Nouvelle étape. Donc, ce qu'on voit apparaître là, c'est ce carré, ce rectangle bleu, c'est l'algorithme Lemon Learning qui va permettre d'analyser toute la surcouche web mise à disposition par le logiciel. Pour assurer le ciblage, ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire un clic sur l'élément qui m'intéresse. Et à partir de ce moment-là, je viens du coup de rattacher une bulle Lemon Learning à côté. Et c'est avec ce fonctionnement-là qu'on va décliner derrière toutes les fonctionnalités de Lemon Learning. C'est-à-dire que en faisant un enchaînement de bulles, on va créer un guide interactif qui va montrer à l'utilisateur où il doit aller. En faisant une bulle en plein milieu de l'écran qui va apparaître à un moment donné, on va faire une fonctionnalité de communication. Et derrière, toutes les autres fonctionnalités comme les infobulles, les validations de champs et de données saisies vont avoir ce même fonctionnement. Et avec du coup cette même capacité à être personnalisée via ce menu que je vais ouvrir dans plus d'options. Donc en fait, là, ce qui est intéressant, Alexandre, c'est que tu nous fais la démo sur le back-office de Lemon Learning, mais à partir du moment où la page est une page web, en fait, on pourrait tout à fait créer des guides sur le site d'e-commerce d'Amazon, sur le portail corporate de Bouygues Télécom, ou sur n'importe quel autre CRM, SIRH, ERP qui est accessible par web. Exactement. En fait, le principe reste totalement le même, c'est-à-dire que si je réouvre mon éditeur par rapport à Bouygues Télécom, je peux très bien récupérer le guide que j'ai commencé à faire sur le back-office de Lemon Learning, totalement changer l'outil derrière sur lequel je décide de l'enregistrer et créer des étapes sur le site internet de Bouygues Télécom. Là, de la même façon, en fait, mon algorithme, après, derrière, va enregistrer le champ qu'il y a derrière le libellé téléphone et va me permettre de créer une étape. Pour cette démo, Alexandre, on ne va pas forcément pousser plus loin la démo de l'éditeur, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on va y répondre. Mais ce qui est... Ouais, pardon, tu voulais rajouter quelque chose?
Moi, je voulais juste rajouter un petit truc aussi. Je ne sais pas si tu l'as dit, Alexandre, mais je sais que c'est un des éléments sur lesquels les équipes en charge du développement des outils étaient un petit peu craintifs initialement. Ils pensaient qu'ils allaient avoir pas mal de boulot d'intégration, alors qu'au final, le player, c'est aussi également uniquement une petite extension qui est rajoutée dans le navigateur et qui va se charger de rajouter les guides en surimpression par-dessus la page. Un des éléments du coup qui leur faisait peur, c'est est-ce que ces guides-là auront des répercussions sur les performances de l'outil que je mets à disposition? Et du coup, ce qu'on avait pu avoir comme réponse, c'est que le player en fait va charger les guides uniquement après que l'outil soit complètement chargé. Effectivement, c'est un chargement qui est asynchrone et du coup, ça permet de ce fait-là aussi pour nous de ne jamais risquer d'interférer sur un outil qui peut être un outil très métier pour un client Là, je et sais que du ça, coup, moi, à haute valeur ajoutée. c'était une crainte un petit peu chez moi et pour le coup, qui a été assez vite répondu. Okay. Je te remercie pour ce Merci. retour d'expérience, Marc. Je fais juste un petit aparté pour les participants. Il y a de nouveaux sondages qui sont disponibles dans l'icône à droite, l'icône questionnaire juste à droite. N'hésitez pas à aller les consulter et à répondre. Ça nous intéresse de savoir, de connaître vos enjeux autour de la transformation digitale, de savoir aussi parmi les fonctionnalités qu'on vous a présenter lesquelles sont les plus parlantes et qui seraient les plus utiles pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter nos sondages. Je me rends compte en très bonne hôte qu'on n'a pas du tout présenté Lemon Learning, Alexandre. On est un peu revenu sur les enjeux de Bouygues Télécom, mais ça, c'est pas grave, ça va faire une super transition avec ma prochaine question. Hop. Je te remets la bonne slide. Peut-être est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Alexandre, sur les clients qu'on accompagne aujourd'hui? Et la question, moi, qui va avec, c'est là, on se concentre sur le projet de réseau social d'entreprise de Bouygues Télécom, mais aujourd'hui, on accompagne pas mal d'entreprises et notamment des grands groupes dont vous voyez les noms à l'écran sur des déploiements multi-projets. Ils prennent des licences corporate. Quel est l'intérêt en fait pour ces entreprises-là de prendre Lemon Learning sur plusieurs applications? Alors, déjà pour revenir un peu sur l'aspect présentation de Lemon Learning, pour vous donner un petit peu de contexte, Lemon Learning, c'est une société qui existe depuis 6 ans et demi, bientôt 7. Et concrètement, bon, vous l'avez peut-être compris, mais notre métier, c'est de faire en sorte que les logiciels soient bien utilisés et qu'ils soient bien utilisés pendant toute leur durée de mise à disposition auprès d'utilisateurs finaux. Derrière, on a grandi du coup principalement en France, hein, sur une croissance organique par tous les clients que vous pouvez voir ici. Sans levée de fonds particulière, on a réussi à plus que doubler d'effectifs, puisque pour ma petite expérience personnelle, je suis arrivé en octobre 2019 à Lemon Learning. On était 10 avec quelques stagiaires dans l'Aube, on se présentait comme une dizaine, à aujourd'hui plus de 45 personnes en CDI. À côté de ça, on a effectivement réussi à grandir grâce à tous ces clients qui nous ont fait confiance et qu'on accompagne aujourd'hui toujours sur divers enjeux en termes d'outils, avec cette logique justement pour certains d'avoir mutualisé Lemon Learning de manière illimitée sur pas mal d'outils différents. Donc là, on peut voir par exemple comme Eiffage qui a été une des premières grosses références que Lemon Learning a pu avoir, comme avec Altran et Covéa, et sur lesquels on va les accompagner, sur lesquels on les a accompagnés précisément, eux, sur un enjeu d'SIHA lié à un outil connu, une solution marché. Et après, derrière, on a effectivement accompagné pas mal d'autres références sur des outils SIRH, comme des outils de GTA particulièrement, sur lesquels il y a des très gros enjeux derrière de bonne saisie des données, puisque derrière, ça va forcément impacter la paye et donc des sujets administratifs si ça a mal été réglé auparavant. Et voilà, c'est voilà, beaucoup d'outils transverses au final, avec beaucoup d'enjeux métiers associés qui font que
y a un enjeu pour industrialiser un peu plus l'adoption et la conduite du changement auprès des utilisateurs. Je te remercie, Alexandre. Et Marc, j'ai une question pour toi. La mise en place de Lemon Learning chez Bouygues Télécom, elle s'est faite justement sur un premier logiciel au départ, donc le RSE dont on a parlé. À quoi les métiers et peut-être aussi plus particulièrement le top management à qui tu as présenté Lemon Learning, à quoi est-ce qu'ils étaient sensibles lorsque tu as fait la promotion de cette solution-là? Alors, le réseau social interne, ce n'était pas forcément le premier projet. Disons que c'est le premier projet à grande échelle puisqu'il concerne l'ensemble des collaborateurs. Donc, on a plutôt commencé par des preuves de concept. Du coup, on a simplement regardé sur un premier outil de gestion des prestations intellectuelles, justement, qui était assez nouveau, qui digitalisait du coup ce processus de gestion des prestations intellectuelles et qui avait énormément de problématiques sur les saisies. Les appels d'offres n'étaient pas correctement renseignés, les facturations demandaient souvent d'être revues parce que les saisies n'étaient pas correctes. Et du coup, on a commencé par ce premier projet qui nous a permis de faire la preuve de concept. Donc tout simplement, on a regardé si les saisies qui étaient faites, enfin si le travail de support qu'il y avait derrière, de la part des équipes en charge de l'outil, en charge du processus, s'était amélioré et on a vu que c'était plutôt le cas. Ensuite, on a regardé un petit peu justement la satisfaction des collaborateurs au travers d'un petit sondage justement que j'évoquais précédemment. Et on a vu que les utilisateurs étaient plutôt satisfaits du côté un petit peu, entre guillemets, innovant de cet accompagnement-là. Et donc c'est tout ça que moi après je suis allé promouvoir, on va dire, auprès des autres équipes métiers pour leur proposer d'accompagner également leur processus via Lemon Learning. Et c'est comme ça qu'on a atterri donc sur ce nouveau réseau social interne qui arrivait. C'était une superbe opportunité. Il arrivait pile au moment où on avait décidé de passer à l'échelle sur Lemon Learning. Et donc, on a pu mettre en place ce projet de réseau social d'entreprise, d'accompagnement du réseau social d'entreprise. C'est intéressant ce que tu disais, que les premiers utilisateurs sur lesquels vous avez fait les preuves de concept étaient assez réceptifs à cet accompagnement. Là, j'ai un petit chiffre clé, je suis Madame Chiffre Clé aujourd'hui, qui est assez intéressant parce que le nombre est quand même éloquent, le chiffre est éloquent. Aujourd'hui, 58% des collaborateurs affirment que leur entreprise met en place des outils numériques avancés, mais n'offre pas la formation requise pour les prendre en main. On parle d'expérience collaborateur, on parle de formation. Finalement, ce sont quand même des notions assez intéressantes puisque les deux mettent les utilisateurs finaux au cœur du projet de transformation digitale et c'est un petit peu aussi ce que tu nous dis là finalement. Complètement. Après, pour être complètement honnête, il y a eu forcément aussi un petit peu quelques détracteurs au début, mais ça fait partie, comme tout nouvel outil, il y a des personnes qui sont résistantes au changement et qu'il faut aussi accompagner et leur expliquer et leur montrer justement l'intérêt de ce type d'accompagnement. Et pour la plupart, dès qu'ils ont commencé à l'utiliser, ils ont été assez convaincus. Avait fait justement pour montrer un peu l'intérêt, enfin pour embarquer les détracteurs finalement dans le projet. Eh bien, on a communiqué largement, on a essayé justement de leur expliquer toutes les nouvelles fonctionnalités, on a aussi mis en place un système qui leur permettait de remonter eux directement les problématiques qu'ils pouvaient identifier pour pouvoir y apporter une réponse, on va dire, personnalisée. Et au fur et à mesure, ça nous a permis aussi justement d'améliorer un petit peu nos guides qu'on mettait en place, parce que comme j'expliquais au début, créer le guide, c'est simple. Savoir ce qu'il faut écrire, mettre une belle mise en forme, illustrer avec des images, tout ça, ce n'était pas forcément inné. Donc, nos premiers guides, c'était du clic ici, clic là, fais ci, fais ça. Ce n'était pas forcément ce que l'utilisateur attendait. Donc, avec du coup les conseils de Clément, du coup, enfin le chef de projet des Lemon Learning qui nous accompagne, on a pu au fur et à mesure intégrer un petit peu cette logique pédagogique pour les intégrer donc dans nos guides et au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. On l'a vu avec
nous a faite Alexandre juste avant, ça n'a pas été spécialement chronophage à faire en fait, puisque c'est assez simple à prendre en main. Oui, c'est l'outil, comme je dis, c'est très simple à prendre en main. Après, faut juste donner la sensibilité un petit peu pédagogique aux personnes qui réalisent les guides. Ce qu'on a fait aussi sur certains projets, c'est que tout simplement, on a confié ce travail à des stagiaires qui, justement, eux, avaient appris à utiliser l'outil assez récemment, l'outil qu'ils utilisent au quotidien. Et comme eux, ils ont été confrontés à cette difficulté sur la formation initiale qui se passait avec du PDF ou autre, ils savaient, eux, forcément, beaucoup mieux quels sont les points sur lesquels ils devaient le plus insister ou quels sont les Ouais, bien points sûr. sur lesquels il n'est pas forcément nécessaire d'insister, quoi, pour pas que faire des guides qui sont trop clic ici, clic là, fais ci, fais ça, quoi. C'est super intéressant. Comme je vois que le temps file un petit peu, moi j'ai encore quelques questions pour vous et puis on va se laisser un peu de temps pour répondre éventuellement aux questions, pour répondre aux questions éventuelles. Si on parle un petit peu de retombées du projet aujourd'hui, alors avant une question pour toi Marc, j'en ai une pour toi Alexandre. Quels sont les indicateurs qui peuvent être intéressants quand on mène un projet de transformation digitale? Qu'est-ce que nos clients qu'on accompagne aujourd'hui regardent? Alors, nos clients aujourd'hui, concrètement, ils regardent les notions qu'ils peuvent arriver à regarder et à remonter. C'est-à-dire que tout l'enjeu derrière la mesure de l'adoption digitale, c'est d'arriver à remonter les bonnes informations et d'être sûr qu'elles soient fiables. Donc, concrètement, ce qu'on arrive le plus au jour, enfin, ce que je vois qui arrive que les clients arrivent le plus à remonter aujourd'hui, ça va être les données liées à la formation, notamment les formations récurrentes, puisqu'il y a directement qu'il y a un coût qui peut être mis en face des formations. Il va y avoir également les remontées en termes de support fonctionnel. Alors là, ça va dépendre un peu aussi des contextes de chacun des clients. Tous les clients n'arrivent pas, en l'occurrence, à mesurer les supports, les remontées, ou ils n'arrivent pas. Ou autrement, ils n'arrivent pas à les segmenter et à savoir quelle remontée est liée à quel outil et liée à quel process. Et du coup, ça, voilà, en fonction de cette mesure-là, ils sauront rapidement si Lemon Learning est un projet d'adoption digitale et de conduite de changement de manière plus globale et intéressant ou pas. Et après, il y a effectivement beaucoup d'autres mesures qui sont intéressantes et à plus haute valeur ajoutée. Et ça, aujourd'hui, on va arriver à moins les mesurer ou à les mesurer de manière plus qualitative. Ces autres mesures-là, c'est toutes les mesures, excusez-moi, qui sont liées aux usages métiers directement de l'application. Comme par exemple le temps que va mettre un utilisateur à saisir les bonnes premières données dans son outil en attendant d'avoir eu la formation. Marc parlait des stagiaires, moi-même pour avoir été par le passé en alternance. Je sais très bien que la formation sur un outil, quand on est alternant et qu'on arrive dans un groupe, ça peut mettre du temps. Donc, forcément, derrière, c'est des fausses données erronées qui vont être mises dans un outil. Et quand on est sur un outil métier, comme un outil CRM qui permet de faire de la prévision financière en fonction de certains niveaux d'opportunités qui sont renseignés par des utilisateurs, c'est hyper important là d'avoir des bonnes données saisies. Donc là-dessus, on va avoir un retour aujourd'hui qui va plus être qualitatif, de retour concrètement terrain qu'on arrive à avoir des utilisateurs par rapport à leur usage de l'outil ou des retours par rapport derrière aux attentes côté manager en termes de remontée de données saisies. Justement, c'est assez intéressant ce que tu mentionnes là en termes de ROI qualitatif, puisque je crois que c'était le cas de Bouygues Télécom, notamment Marc. Ce n'est pas toujours évident d'avoir du ROI quantitatif, puisque ça nécessite qu'on ait un avant et un après, ce qui n'est pas toujours le cas. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce ROI qualitatif qu'on peut trouver à une solution comme Lemon Learning, en tout cas dans le cas de Bouygues Télécom? Sur nos preuves de concept, justement, nous, on a eu cette problématique de mesures quantitatives parce que le top management, forcément, est beaucoup plus sensible à des notions de ROI direct, on va dire. Mais seulement, tous les projets n'étaient pas forcément éligibles. Donc, on a fait notre premier projet là où on avait souhaité mesurer la différence en temps de support
qui est apporté aux utilisateurs, mais c'était très difficile de mesurer justement parce que le support était fait par d'autres collaborateurs qui étaient proches, qui s'entraident les uns les autres. Et voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément mesurer directement. Donc pour ce premier projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tout simplement basé plus particulièrement, on va dire, sur la satisfaction utilisateur. On a vu que les utilisateurs étaient satisfaits. On a vu que la somme engagée n'était pas énorme. La priorité chez Bouygues Télécom, c'est l'expérience collaborateur. Donc, on était prêt à dépenser un petit peu pour aller dans ce sens-là. Ensuite, on a eu un second projet là où, comme je disais précédemment, on avait besoin d'améliorer la qualité des données qui sont saisies. Donc là, c'était forcément un petit peu plus facile à mesurer. On a tout simplement regardé le nombre de formulaires qui n'ont pas besoin d'être repris derrière. Typiquement, quand on fait une expression de besoin via un formulaire ou on déclare un incident ou quoi que ce soit via un formulaire, quand on remplit quelque chose, et que derrière le support est obligé de nous appeler pour nous redemander les informations, ça peut être assez frustrant. Moi, je suis le premier à être frustré par ça. Je remplis mon formulaire et derrière, on me rappelle et on reprend 30 minutes pour réexpliquer tout ce que j'ai déjà écrit dans le formulaire. Pourquoi? Parce que, en fait, la forme attendue n'était pas la bonne. Il n'y avait pas les bons renseignements dans les bons champs. Et du coup, on a simplement regardé combien de formulaires on a besoin de reprendre et combien peuvent être traités directement sans intervention du demandeur. Voilà. Sur un qualitatif semi-quantitatif. Oui, mais comme je disais, c'est vraiment très particulier au projet, typiquement sur l'adoption de notre réseau social interne. C'est pour ça que j'avais dit qu'au niveau quantitatif, ça va être compliqué à donner quelque chose. Sur notre réseau social interne, ça va être plus du qualitatif. On regarde plus, pour le coup, le nombre d'utilisations de ces guides-là. Est-ce que les gens ont vraiment besoin des guides? Si oui, eh ben, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont l'utiliser. Et derrière, on regarde quel est leur niveau de satisfaction sur l'utilisation de ces guides-là. Après, on a toujours forcément un peu de ressenti, on va dire. Normalement, à chaque nouveau projet, on entend des bruits de couloir de oui, non, mais cette nouvelle fonctionnalité, c'est pas vraiment, ça m'embête et tout. On ressent, est-ce qu'on l'entend un petit peu moins ou un petit peu plus qu'avant, et voilà. Et il y a un élément dont on n'a pas parlé, Alexandre, et peut-être que je terminerai par là, et puis vous pouvez rebondir dessus. Mais aujourd'hui, une solution comme Lemon Learning, ce qu'elle permet d'accompagner aussi, ce sont les évolutions d'un outil, puisque les outils SaaS évoluent quand même assez rapidement. Et finalement, ce qu'on est capable de proposer avec Lemon Learning, c'est cet accompagnement, ces guides, ces actualités qui évoluent en même temps que l'outil sur lequel elle se plug, en fait. Oui, alors il y a effectivement le côté fonctionnel de Lemon Learning qui va permettre dans un premier niveau de suivre certaines évolutions. Après, aujourd'hui, concrètement, les évolutions, elles vont aussi être faites et suivies grâce à des chefs de projet Bouygues Télécom dans le cadre du projet Bouygues. Qui vont pouvoir, avec une certaine itération avec les utilisateurs finaux, recomprendre leurs besoins métiers pour leur réadapter un contenu métier au moment où il y en aura besoin. Et c'est là, en fait, tout l'intérêt d'un outil comme Lemon Learning, c'est de permettre à des utilisateurs administrateurs de facilement pouvoir jouer, en fait, avec du contenu auprès d'utilisateurs finaux de façon à créer un échange assez constant en fonction de ce qui arrive sur l'outil. Et c'est comme ça en fait qu'on anime aujourd'hui dans les meilleurs projets une conduite du changement efficace. C'est en communiquant très régulièrement avec les utilisateurs et en leur mettant tout le temps un nouveau savoir à disposition grâce aux différentes fonctionnalités qu'on a. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important de segmenter, on va dire, ces administrateurs, que les administrateurs soient le plus proche possible du contexte opérationnel. Parce que si on s'imagine avoir un seul administrateur qui va gérer tous les projets de l'entreprise, ça va être très dur justement de suivre toutes les évolutions, d'accompagner toutes les évolutions, d'être dans les boucles de chaque évolution qu'il y a. Donc, plus l'administrateur va être proche du contexte opérationnel, plus ça va être facile pour lui d'accompagner ces changements.
Et bien sûr, à côté, nous, on a du coup ces différents unités projet avec un administrateur par projet et moi qui me positionne en tant que facilitateur et qui les accompagne lorsqu'ils ont une difficulté ou lorsqu'il y a une nouvelle pratique typiquement à leur montrer. Merci tous les deux pour vos retours. Là, il nous reste 5 bonnes minutes. Peut-être qu'on va les consacrer à d'éventuelles questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y en a beaucoup de Frédéric R, je vois. Oui, alors il y en a une à laquelle on a déjà répondu. Et il y en a une deuxième sur le fonctionnement de Demand Learning. Donc, est-ce que ça ne fonctionne qu'avec des applis web? Alors, ça fonctionne qu'avec effectivement des applis qui ont une interface web. Pas forcément des applis qui sont hébergées sur des serveurs externes, mais des applis qui ont une interface web sur lesquelles l'algorithme peut fonctionner par-dessus. C'est ce que tu nous montrais en fait avec le site de Bouygues Télécom. Avec le, exactement, avec le carré bleu qui permet de sélectionner les différentes parties du code de l'outil. Voilà, Frédéric, j'espère qu'on a répondu à votre question. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Et en attendant que vous les posiez, je rappelle que le webinaire sera disponible en replay et que vous aurez aussi nos coordonnées, enfin les coordonnées d'Alex. Nous recontacter par la suite. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour le moment, mais en attendant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être partager les réponses du sondage s'il y en a. Alors, Clarisse, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? En cours, parfait, je te remercie. Alors, quelle fonctionnalité serait la plus utile pour votre projet? À 67%, vous avez répondu les guides interactifs et à 33%, les notifications push dont on parlait tout à l'heure. Quels sont les principaux enjeux de vos projets de transformation digitale? Donc, enjeu prioritaire, l'évolution des outils digitaux, super intéressant, à 38%. Suivi ex aequo de l'uniformisation des processus et de la formation des utilisateurs finaux. Et à 13%, l'enjeu autour d'un projet de transformation digitale, c'est aussi celui de la communication auprès des différentes parties prenantes. À la question, selon vous, pourquoi l'expérience numérique des collaborateurs est importante? Vous avez répondu en majorité qu'elle améliore la performance de l'entreprise. Puis, à 27%, qu'elle renforce l'engagement des collaborateurs et qu'elle améliore la qualité de vie au travail. Et à 9%, qu'elle favorise l'attractivité de l'entreprise. Et enfin, en termes de projet logiciel, ce qui est le plus stratégique pour vous actuellement, ex aequo, les Digital Workplace, pardon, et les CRM. Et certains d'entre vous ont des projets de RSE, de réseau social d'entreprise, justement. Donc, j'espère que l'intervention de Marc et d'Alexandre vous auront permis d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous recontacter. Alors, je revérifie le chat. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y aurait une ou deux dernières questions? Ou alors, c'est que vous avez été, messieurs, clairs et limpides. Super. Parfait. Mais en tout cas, je vous remercie Alexandre et Marc pour votre participation aujourd'hui. Merci à Clarisse qui est dans les coulisses pour l'organisation. Et merci à vous tous qui avez participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous recontacter. Peut-être que je vous mettre la slide de contact, comme ça ce sera un petit peu plus simple. Donc
Donc, vous pouvez nous contacter via le formulaire de notre site internet, donc www.lemonlearning.fr. Et vous pouvez également revisionner ce webinaire qui vous sera envoyé par mail. Voilà. Merci à tous. Merci à tous et merci bonne à tous. Journée. Au revoir.